من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أعمالنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، إخوتي الكرام، أخواتي الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل رمضان وكل عام وأنتم بخير من الله تعالى. Je suis vraiment très impressionné par cette salle. Je l'ai visitée deux fois, mais quand elle était en chantier. Et je vois que c'est une très belle mosquée, mashallah. Et j'ai visité tout à l'heure l'école et les annexes de la mosquée. Et j'espère que dans quelques mois, inshallah, nous allons participer à l'inauguration. Et j'allais chercher des exemples pour montrer l'amour de Allah subhanahu wa ta'ala, mais cette mosquée, c'est la meilleure preuve, c'est le signe flagrant qui montre que Allah subhanahu wa ta'ala nous aime réellement. En été, il y a quelques années, on était dans des cars, on était dans des garages, on était dans des baraquements, on était à la périphérie des villes. On achetait parfois quelques pavillons et on rajoutait le garage et on construisait. J'ai déjà vu des mosquées où il y a 3, 4, 5 salles, des appartements qui ouvrent les uns sur les autres, tu dois monter, tu dois descendre. Souvent, il n'y a que quelques peu de fidèles qui peuvent voir l'imam, tous les autres ils sont cachés dans d'autres pièces. Et on a passé beaucoup de temps à essayer d'acheter des locaux et les mairies systématiquement priantes. Ils ne veulent pas que les musulmans achètent des mosquées. Et puis voilà, quelques années, alhamdoulilah, ce sont même les mairies, les communes qui, elles, participent. Parfois, elles offrent le terrain, elles donnent des facilités. Maintenant, tous les maires de France veulent avoir une mosquée, et pas n'importe quelle mosquée. J'ai entendu beaucoup de maires qui veulent une mosquée cathédrale, une grande mosquée qui fait la fierté de la ville. Et ça, ce n'est pas dû à la politique française, ce n'est pas dû à notre intelligence, ça c'est dû à l'amour de Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aime. Je vais vous expliquer pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous aime. Mais avant, je vais vous donner le plan de l'intervention de la conférence. Nous allons parler de l'amour de base, l'amour qu'on appelle Hubbur Rahma, l'amour de miséricorde, qui est destiné à tout le monde, ceux qui le méritent et ceux qui ne le méritent pas. Après, nous allons parler de ce que nous devons faire pour mériter un autre amour, un amour privilégié, que lui, il est réservé à une élite. Allah subhanahu wa ta'ala, il a deux sortes d'amour. Il y a un amour public, il est donné à tout le monde. On va parler de ça. Puis il y a un amour spécifique que lui, il est réservé à une catégorie. Et pour mériter cet amour, il faut faire des choses. Nous allons parler de ces choses pour mériter cet amour. Et puis je terminerai par expliquer quel est le fruit, quel est le résultat, qu'est-ce qu'on gagne si on arrive à être aimé, mais d'une manière spécifique par Allah subhanahu wa ta'ala. L'amour en islam s'appelle al-hubb. Seulement, l'amour c'est une relation, en mathématiques on va dire une relation symétrique ou transitive. L'amour c'est une relation à deux sens. Tu peux aimer quelqu'un, mais lui, il ne t'aime pas.
Alors à ce moment-là, tu vas souffrir. Cet amour-là devient une souffrance, une peine. Imagine que tu aimes une femme, elle aime un homme, mais l'autre ne l'aime pas. Et plus tu l'aimes, plus tu vas souffrir parce que tu n'as pas le retour de cet amour. Pour que l'amour soit vraiment un bonheur, qu'il soit un plaisir, il faudrait qu'il soit un amour réciproque. Et c'est pour ça que quand Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé du mariage, il a parlé de Az-Zawaj, de l'amour entre l'homme et la femme, il n'a pas utilisé le terme amour, al-hub, il a utilisé un autre terme, al-mawadda. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawadda. Parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des époux et des épouses. Mais il n'a pas dit qu'il a instauré entre vous l'amour. Parce que l'amour, ça peut être à un sens unique. Il a dit, il n'y a pas en français un mot équivalent de mawadda. C'est l'amour avec grand A. C'est l'amour réciproque. Il faut trouver une combinaison de mots pour expliquer al-mawadda. Al-mawadda, c'est un amour que tu as vers l'autre. À ce moment-là, la vie du couple peut être réellement heureuse. Mais si l'amour n'est que d'un seul côté, il n'y a pas ce bonheur. Et beaucoup de compagnons ont prétendu aimer Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, beaucoup d'entre nous, si je vous demande « Est-ce que vous aimez Allah ?», vous allez dire « Oui, on aime Allah ». Mais Allah subhanahu wa ta'ala a dit ça, ce n'est pas tout à fait le vrai amour. Parce que c'est un amour de vous vers Dieu. Vous prétendez aimer Allah. Mais est-ce que vous êtes sûr que Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il vous aime? Est-ce que l'amour dans l'autre sens est vérité? Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, pour nous expliquer que la prétention ne suffit pas, « Qul in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah. » Si vous prétendez aimer Dieu, alors suivez-moi, suivez le prophète, à ce moment-là, Dieu va vous aider. C'est comme s'il n'y avait qu'un seul amour de vous vers Dieu, mais Dieu, il ne vous donne pas son amour. Il le conditionne. Pour avoir l'amour de Dieu, vous devez remplir des conditions. Parmi ces conditions, c'est suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est pour l'amour, comme j'ai dit, l'amour privilégié, l'amour spécifique, l'amour ciblé de Allah subhanahu wa ta'ala pour les croyants, pour les musulmans. Mais qu'en est-il de l'amour général, l'amour de base, l'amour de la miséricorde? Alors voyons voir si Allah subhanahu wa ta'ala nous aime. Est-ce que vous savez qu'au moment où je vous parle, là, à cet instant, nous avons des centaines, des milliers de personnes qui sont dans les hôpitaux? Il y a des personnes qui sont en train de mourir. Il y a des personnes qui sont sur la table d'opération, on est en train de les opérer et on ne sait pas si l'opération va réussir ou non. Il y a des personnes, à ce moment où je vous parle, le médecin il est en train de regarder les analyses de sang, il est en train de voir qu'il y a une très 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 mauvaise nouvelle. Au moment où je vous parle, il y a des gens qui sont en train de se noyer dans la Méditerranée, dans la mer Noire, dans la mer de Marmara, ce sont des réfugiés, et en majorité écrasante, ce sont des musulmans qui sont en train de mourir dans la mer. Est-ce que vous savez que depuis le mois de janvier jusqu'à maintenant, à peine 6 mois, il y a plus de 10 000 noyés, dont 7 000 sont morts, et sont tous des musulmans? Est-ce que vous savez qu'au moment où je vous parle, il y a des centaines de milliers, on ne peut pas dire des millions de personnes qui ont perdu leur maison. Ils ont perdu leurs enfants, leurs maris, leurs femmes. Ils sont des réfugiés à la frontière entre la Syrie et la Turquie, entre la Turquie et l'Irak. Et ce ne sont pas 50 personnes, 100 personnes, ce sont des millions. Il y a 4 millions de réfugiés musulmans en Turquie. Et allez voir dans quelles conditions ils vivent.
Vous allez voir tout à l'heure, vous allez rentrer chez vous, vous allez rendre le jeûne ici, vous allez voir sur votre table, il va y avoir des dattes, il va y avoir des gâteaux. Et quels gâteaux ? Il va y avoir zlabia, shubakia, baklava, makro, halwa, toutes les sortes. À tel point qu'en France, pendant le mois de Ramadan, la consommation de sucre augmente de 20%. Après, vous allez voir le halal. Et quelles sortes de halal ? Toutes les sortes de soupe. Vous allez avoir du thé noir, du thé vert avec le na'na, thé noir avec le vert avec le na'na, avec le chiba. Vous allez avoir du café, vous allez avoir du chocolat. Vous allez avoir de l'eau potable, pas d'eau de robinet. Vous allez tous boire dans une bouteille vitelle. Alors que Wallah, j'ai vu de mes propres yeux des gens qui ne sont pas à la frontière, qui sont dans un pays musulman, ils sont dans le sud de l'Irak, à la frontière presque avec le Koweït. Des personnes âgées, des femmes et des hommes, je vous jure qu'ils n'ont pas, même pas une dame. Même l'herbe, c'était dans un lieu désertique, même l'herbe, dehors, ils ont tout ramassé. Ils n'ont rien, absolument rien à manger. Et je reviens du Koweït, il y a 3 jours, j'étais au Koweït, et nous avons vu des familles qui n'ont absolument rien. Et les Koweïtiens ont chargé des camions avec des vivres, ils n'ont rien à manger. Ils sont des musulmans comme vous, mais ils n'ont absolument rien. Alors que vous regardez le tapis sur lequel vous êtes assis, regardez la beauté de ce tapis, regardez la lumière de cette salle, de cette mosquée. Vous êtes en train d'écouter un cours tranquillement, vous avez fait la prière tranquillement, vous avez une climatisation normale. Quand j'étais loin il y a 3 jours, il faisait 40 degrés à Londres. Les gens riches, ils ont des climatiseurs, mais nous avons vu des musulmans qui n'ont pas de climatiseur. Il souffre le martyr, il creuse des trous pour rentrer au sous-sol, pour refroidir un peu l'atmosphère. Et vous allez vous rentrer chez vous, vous allez avoir toutes sortes de nourriture, et vous dites que Dieu ne vous aime pas. Ce n'est pas la preuve que vous êtes des gens privilégiés, que Allah subhanahu wa ta'ala vous aime. Si vous croyez que ce que vous vivez maintenant, c'est grâce à votre intelligence, grâce à votre travail, grâce à votre nationalité, c'est que vous n'avez rien compris. Parce qu'en une seconde, tout peut basculer. En une seconde, on peut vous amener à l'hôpital. En une seconde, vous pouvez avoir une nouvelle, votre fils a été écrasé par un bus. En une seconde, vous allez avoir une nouvelle, votre femme vous a quitté, votre maison a brûlé. Vous pouvez avoir toutes sortes de mauvaises nouvelles. Mais si vous êtes épargné, si nous sommes épargnés, c'est grâce à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à l'amour de Dieu. Et ne dites pas que ces gens-là dont j'ai parlé, Dieu ne les aime pas. Non, on parlera Dieu, il les aime. Parce qu'il y a des gens qui sont encore pires qu'eux. Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, dit quand j'ai un malheur, une calamité, une peine qui me touche, il dit je pense à 4 choses. La première chose, c'est que Hadith Moussib allait cette fille digne. Je suis toujours musulman. Même si j'ai perdu un bras, même si je suis malade, même si mon fils est mort, même, alhamdoulilah, ce n'est pas la religion qui a été atteinte. C'est quelque chose de matériel, c'est pas grave. La deuxième chose, c'est qu'il y a des gens qui sont pires que moi. Ils pensent aux gens qui sont éprouvés plus que lui. La troisième chose, il dit rien ne peut m'atteindre de pire que la perte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète est mort, Omar il a considéré qu'il n'a plus de raison de vivre. Donc il n'y a pas de peine, il n'y a pas de souffrance plus grande que la perte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La quatrième chose, je sais que Allah subhanahu wa ta'ala va effacer mes péchés. Je sais que Allah subhanahu wa ta'ala va m'épargner le châtiment dans le delà avec cette peine. Et même si je n'ai
pas beaucoup fait de péché, là, et qui n'a pas fait de péché, et Dieu va élever ma place auprès de lui au paradis. Donc, la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala nous aime, chacun doit regarder ce qu'il a, ce qu'il vit, et se poser la question, comment il est en bonne santé, comment il a une femme, comment il a des enfants, comment il a une maison, un appartement, comment il respire. Imaginez, il y a plusieurs années, un institut d'une université américaine a fait le test. Imaginez que notre respiration soit volontaire, pas involontaire. Là, vous ne sentez même pas ce que vous respirez. Vous avez vos poumons qui travaillent tout seuls. Les poumons oxygènent le sang, et le sang est distribué par le cœur dans tout le corps, et vous ne sentez même rien. Imaginez que pour avoir l'air, vous devez pédaler. Vous devez avoir une machine à oxygène, et pour avoir l'oxygène, vous devez pédaler. Imaginez la peine que vous avez. Ou alors imaginez que vous êtes dans un endroit, il n'y a pas suffisamment d'oxygène. Vous savez, dans cette salle, il y a combien d'oxygène? Il y a 21%, exactement. S'il y a un peu plus, au moment où de deux familles allument la lumière, lorsqu'il va prendre feu, s'il y a trop d'oxygène, il devient inflammable, nous allons prendre feu. Mais s'il y a 2 degrés, 3 degrés d'oxygène en moins, ben nous allons étouffer, nous allons souffrir. Donc quelqu'un qui tombe dans une montagne est obligé de mettre un masque. Mais là, on ne fait rien. Qui régule ce pourcentage? Parfois, il y a de la fumée, parfois, il y a de la pollution, parfois, il y a des vents. Mais il y a toujours un thermostat quelque part, on ne le voit pas. Mais Dieu, il régule l'oxygène pour qu'on respire normalement. Et tout le monde respire. Je ne sais pas si vous avez vu le film La guerre des étoiles, Star Wars, de toute façon, qui n'a pas vu ce film-là, c'est un film culte. Il y a plusieurs créatures, il y a des créatures bizarres, des extraterrestres, mais quand ils ont voulu faire un robot qui va aider les humains, ils ont fait des études. Et George Lucas, quand il a commencé à faire, ils ont trouvé que la meilleure créature, la plus belle, la plus reposante et la plus efficace, c'est l'homme. Wa sawwarakum fa ahsana taswira, ahsana khalqakum, ahsana suratakum. Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa l'insana fi ahsani sur, fi ahsani taqwim. Le fait qu'on soit comme nous sommes, on ne marche pas à quatre pattes. On n'a pas les yeux comme les égaux à 360 degrés. On n'a pas une petite cervelle. On n'a pas une peau comme la peau de chèvre. La manière dont nous sommes créés, c'est la meilleure manière. Il ne peut pas amener les Américains, les Russes, les Européens à mettre dans un laboratoire. Ils ne vont pas trouver mieux que ce que Dieu a fait. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il voulait faire de nous autre chose, puisqu'il a déjà changé les gens en singes, en peurs, sangliers. Il peut nous changer, mais il a choisi qu'on soit comme ça. Et ça, c'est par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai un chat à la maison, c'est un chat stérilisé. Il ne doit manger qu'une seule sorte de nourriture. On doit lui acheter des croquettes à la pharmacie parce qu'il ne peut pas avoir mangé n'importe quoi. Et ça fait des années que nous l'avons. Et je me demande comment il peut, depuis des années, ne manger qu'une sorte de nourriture. Une seule sorte. Que des croquettes achetées pour chats stérilisés. Imaginez si vous, on vous impose un seul plat. Rien d'autre. Au bout de 2 jours, 3 jours, vous allez vraiment avoir mal. Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné la possibilité de manger de tout ce que vous voulez. Ce n'est pas le cas pour les animaux, ce n'est même pas le cas pour les djinns. Les seuls qui ont la possibilité de manger toutes sortes de fruits, de boire toutes sortes de poissons, de manger toutes sortes de viande, de mélanger des recettes inimaginables, c'est nous.
subhanahu wa ta'ala peut nous priver de tout ça, mais il le laisse. Et à force d'aller au marché, d'acheter des fruits, acheter des pommes, des poires, des bananes, des fraises, on pense que ça va de soi. Ça va pas de soi du tout. Et même ces fruits, c'est vrai qu'ils sont diversifiés, mais ils complètent notre besoin alimentaire. On a du potassium dans les bananes, on a du calcium dans les kiwis, on a du vitamine C dans les oranges, parce qu'on a besoin d'un équilibre. Et sans qu'on réfléchisse, sans qu'on le sache, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne tout ça. Le travail, quand vous pensez au travail que vous avez, ce travail, il aurait pu être destiné à quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui disent, oui, on a travaillé, on a eu notre diplôme, on a eu l'entretien, j'ai réussi l'entretien. Il faut que tu saches qu'en réalité, tu ne possèdes rien de ce qui est en dehors de ta volonté. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui réunit les conditions pour que tu puisses travailler. Et l'argent que tu gagnes, tu ramènes l'argent à la maison. Tu penses que cet argent, tu l'as gagné à la sueur de ton front. Oui, c'est vrai. Mais au moment où tu rentres, tu trouves que le frigidaire est tombé en panne. Ton fils, il a brûlé la gazinière. La machine à laver est tombée en panne. Ta voiture a eu un accident. Et comme tu es radin, tu n'as pas fait l'assurance qu'il faut. Donc tu vas payer toutes tes réparations. Donc tout ce que tu as gagné, tu vas le payer pour réparer les choses. C'est ce qu'on appelle yamhaqullah riba. Beaucoup d'argent qu'on gagne qui nous part. Ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait disparaître sans qu'on bénéficie de ça. Donc même l'argent que tu gagnes, en réalité, s'il n'y a pas l'amour de Dieu, il ne va pas t'apporter un bénéfice. Il ne va pas te profiter. Alors si on réfléchit, dans chaque instant de notre vie, dans chaque inspiration, chaque expiration, chaque respiration, chaque parole, là je suis en train de parler, vous êtes en train d'écouter. Vous savez comment ça se passe cette affaire-là? Ceux qui sont au fond de la salle, ils ne peuvent pas entendre ma voix. Il faut que ma voix passe par le micro, par l'amplificateur, passe dans les haut-parleurs, ils entendent. Vous croyez que c'est l'homme qui a inventé ça? Ben, c'est exactement le même système de notre parole. Je parle en réalité, je ne fais que déplacer de l'air. Et cet air, il arrive à vos oreilles, il y a tellement qu'il a vibré, il va faire des vibrations, votre cerveau va calculer tout ça, il va donner des notes musicales, et une autre partie du cerveau va analyser ça, et vous allez comprendre ce que je dis. Qui a fabriqué cet ordinateur? Vous croyez que c'est Apple? Vous croyez que c'est l'IBM? Et nous, on le fait comme ça. Mais quand est-ce qu'on sait qu'on avait quelque chose? Lorsqu'on devient sourd. Est-ce que vous connaissez des sourds chez vous? Est-ce qu'il y a des gens sourds? Est-ce que vous connaissez des aveugles? Imaginez dans cette salle-là, on perd la vue. Est-ce que vous payez un loyer pour votre vue? Est-ce que vous avez payé une assurance pour pouvoir voir? Vous n'avez rien payé. Et vous pouvez, après un accident, que ce soit un accident interne, un accident vasculaire ou un accident extérieur, après une chute, après une maladie, vous pouvez perdre. Il y a en France presque 1,5 million de non-voyants. Et on aurait pu être parmi eux. Il y a plus de 600 000 malentendants. Même on peut entendre, on peut voir, mais on ne peut pas comprendre. Parce qu'on est débile, parce qu'on est dans le coma, parce qu'on est malade, parce qu'on est fou, parce qu'on est bête. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a épargné tout ça. Et là, vous voyez, vous l'entendez, vous croyez que ça va de soi. Mais quand vous perdez la vue, vous perdez l'oubli, vous perdez le toucher. Moi, j'ai eu un ami avec mon lycée, il n'avait pas la sensation de toucher. Il ne sait pas si c'est dur, si c'est mou, si c'est fin, si c'est... Il ne l'a pas. Et sa vie, elle est vraiment très très difficile. Imaginez, vous mangez tout et n'importe quoi, mais vous n'avez pas de goût. Quand vous êtes enrhumé, ça vous arrive de perdre le goût. Vous ne savez pas si c'est sucré, si c'est salé. Ben, vous mangez du plastique. Et vous pouvez rentrer, on appelle ça la goussée, c'est une maladie qui atteint le goût. Rentrez chez vous et vous perdez le goût. Vous croyez que vous avez payé une assurance
absolument rien. Et vous pouvez le perdre. Et d'ailleurs, on voit de temps en temps quelqu'un qui meurt, quelqu'un qui tombe malade, quelqu'un qui a un accident, ce sont des alertes que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, faites attention. C'est pour ça que quand on voit un handicapé, on voit un aveugle, on voit quelqu'un qui est malade, qu'est-ce qu'on dit ? Alhamdulillah, il a dit à Fahim il m'a fait la famille. Wafadzalani ala kathiri mimman khalaqa tafdhila. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Il t'a éprouvé, mais il m'a épargné. Il m'a préféré. Pourquoi il m'a préféré ? Par son amour. C'est l'amour de la miséricorde. Et même quand Ibrahim alayhi salam, il a demandé à Allah. De l'amour de Dieu. Et cet amour-là, il faudrait qu'on soit conscient qu'on peut perdre tous les bienfaits que j'ai cités. Et si je mets une liste des bienfaits, il n'y aura jamais de femme. Il t'a donné à Allah la soura. Vous ne pouvez pas savoir les bienfaits. Si je vous parle, il me faut faire une, je dois me programmer une conférence ou un séminaire sur, je vais vous parler juste du foie. L'organe. Si on veut faire une usine qui va faire exactement le travail d'un foie humain, il nous faut la superficie de l'Afrique. Vous voyez le continent africain ? Il nous faut la superficie de tout le continent africain pour pouvoir faire exactement les mêmes tâches que le foie d'une seule personne. Si on veut construire, et moi je suis physicien, je suis électronicien de formation, mais pas informaticien, si on veut, là aujourd'hui, avec tous les moyens que nous avons, si on veut faire un ordinateur qui a la capacité de notre cerveau, vous voyez notre cerveau, il pèse 1,5 kg, regardez, dans notre crâne, c'est rien du tout, c'est un ballon de onde. Si on veut un ordinateur qui a exactement les mêmes capacités que notre cerveau, la il nous faut tellement de casse-noir, il nous faut tellement de ventilateurs pour refroidir, il nous faut tellement de surveillance avec la miniaturisation, mais ça ne suffit pas. Et regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne ses bienfaits. C'est pour ça qu'il dit wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha. Vous voyez la terre là, elle ne bouge pas la terre. Mais vous savez quelle est la vitesse de la terre ? Autour du soleil, si au lieu de la Terre c'était un avion de guerre, d'ailleurs il n'y a aucun engin sur Terre qui fait la vitesse de la Terre, pourtant nous on est stable, ne bouge pas. Vous voyez la Lune c'est pour fixer le mois de Ramadan, en réalité ce n'est pas seulement pour fixer le mois de Ramadan, c'est pour faire un équilibre dans les océans, les mers, les marées, etc. pour que la Terre reste stable, pour que nous on ne souffre rien, on vit tranquillement. Pour qu'il y ait la pluie, pour qu'il y ait l'eau, pour qu'il y ait la mer, la terre, il y a des milliards d'anges qui travaillent pour nous. Il y a des anges qui soufflent le vent. Vous savez, chaque goutte de pluie, chaque goutte, et c'est le hadith authentique qui le dit, c'est un ange qui amène la goutte de pluie qui la met à sa place. Vous voyez que la pluie tombe comme ça, des milliards de milliards de gouttes quand il pleut, mais avec chaque goutte, il y a un ange qui la met à sa place. Il ne faut pas qu'elle passe 1 cm à droite ou à gauche. Parce qu'elle a calculé une équation. Allah subhanahu wa ta'ala, quand une feuille d'arbre tombe, elle tombe juste à l'endroit qu'il faut. Elle tombe juste là pour que Madame Fabienne, quand elle passe, elle glisse dessus, elle se casse la hanche, elle va à l'hôpital. Si la feuille est tombée juste 10 cm à droite ou à gauche, elle l'aurait épargné. Mais non, c'est calculé pour des raisons mathématiques qu'il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui les connaît. Mais la finalité, c'est quoi ? C'est le bonheur de l'homme, c'est notre bonheur à lui. Donc on ne peut pas compter les biens de Dieu. Chacun de
Et c'est un amour qui rentre dans 1 sur 99, 1%, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé Ar-Rahma, la miséricorde, il a consacré 1% pour notre vie, il a gardé pour lui 99 autres. Et on va en avoir besoin le jour dernier. On aura besoin de ces 99% de miséricorde, parce que la chose sera tellement horrible, cela sera tellement insupportable. Là, quand il fait un peu chaud, nous on suffoque, alors que la journée combien elle dure? 12 heures, 18 heures. Imaginez un jour qui va durer 50 000 ans. Khamsina al-Fasana. Et le soleil sera, comme a dit le prophète, 1000. Et les savants ne savent pas est-ce que 1000, c'est-à-dire 1,6 km, c'est la distance kilométrique, ou 1000, c'est juste le petit battant qu'on fait pour mettre le col, c'est-à-dire 20 cm, à peine 10 cm. Les gens seront noyés dans leur transpiration, dans leur sueur. Mais ce 1% de miséricorde, nous sommes tous noyés dedans. Et c'est la preuve de l'amour de Dieu. Donc, quand je te dis Dieu est tel, tu dois reconnaître que c'est vrai. Même si tu es inconscient, même si tu l'as oublié, tu dois te rappeler à chaque fois. Et à chaque fois que tu te rappelles, que tu vois, tu dis Alhamdulillah. À chaque fois que tu te rappelles, que tu entends, tu dis Alhamdulillah. Tu transpires, tu dis Alhamdulillah. Tu vois un malade, tu dis Alhamdulillah. Tu vois un aveugle, tu dis Alhamdulillah. Tu vois quelqu'un qui est très beau, tu dis Alhamdulillah. Tu vois une femme, tu dis Alhamdulillah. Un enfant, tout ce que tu vois, parce que tout te rappelle les bienfaits de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cet amour-là n'est absolument rien, je te dis, c'est 1% devant l'autre amour de Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu peut aimer un autre amour, un amour privilégié, un amour ciblé. Et avant de vous expliquer cet amour, je vais juste passer à la troisième partie, ouvrir juste une petite parenthèse pour vous dire pourquoi cet amour. Vous savez, il y a le paradis. Dans le paradis, il y a 100 étages. Le dernier des étages, c'est Al-Firdaus al-A'la. Et Al-Firdaus, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, le prophète nous explique, que si on rassemble tous les cerveaux de l'humanité depuis Adam jusqu'au jour dernier, pour essayer d'imaginer les délices, les plaisirs qu'il y a, on ne peut pas imaginer. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب أحد. Ce sont des choses qu'on ne peut jamais imaginer. Et Al-Firdaus al-A'la, vous savez, Al-Firdaus al-A'la, le toit de Al-Firdaus, c'est le trône de Allah. Arsh al-Rahman azza wa jalla. Quand tu lèves les yeux, c'était Al-Firdaus, qu'est-ce que tu vois? Tu vois le trône de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais alors, tout ce que tu peux souhaiter, tout ce que tu peux imaginer, les goûts que tu ne peux jamais imaginer, tu vas les avoir. Avec une caractéristique, c'est que tous les jours, les goûts vont être meilleurs. Le parfum, nous allons être parfumés tous les vendredis. Les anges vont me donner un parfum et tu vas sentir ce parfum. Tu n'as jamais senti un parfum pareil. Mais le vendredi d'après, il y a un autre parfum qui est meilleur. Et le vendredi d'après, un autre qui sera meilleur. Et jusqu'à quand? Sans fin, c'est l'éternité, Al-Khulud. Mais il y a un autre endroit au paradis. Il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de boissons, il n'y a pas de fruits, il n'y a rien, il n'y a pas de jardin, il n'y a absolument rien. Qui s'appelle Iliyin. C'est un endroit spécial. Il y a une seule chose. La satisfaction de Allah, Rudwan Allah Azza wa Jalla. Et quand tu es couvert, quand tu es couvé, quand tu es noyé dans la satisfaction de Dieu, absolument rien des délices matériels n'a de goût pour toi. Tu es dans ce qu'on appelle le bonheur absolu. Tu fais partie d'un délice divin. Mais cet endroit-là, il est réservé à qui? Il est réservé à ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a aimés. Mais l'amour spécifique, ce n'est pas cet amour général, c'est un amour ciblé.
Et est-ce qu'elle est destinée à une personne particulière? Il est destiné à tout le monde. Il y a des conditions. Il suffit de cocher les cases. Il y a des conditions. Si tu les remplis, tu peux prétendre à aller à cette amour-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme il est clément, comme il est juste, il a donné ça à la portée de tout le monde. J'espère qu'entre nous, il y a des gens qui vont prétendre à l'aise à propos de Inch'Allah. Mais en tout cas, chacun d'entre nous, il a la capacité, il a la possibilité d'y aller. Et même s'il ne va pas dans cet endroit qui s'appelle Ayni, même s'il va l'Elfardaus al-A'la, il aura comme voisin, quand tu ouvres ta porte, quel est ton voisin sur le même palier en face de toi? C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. T'as le prophète comme voisin. Mais même si t'es au quatrième état, cinquième, mon père, Allah yarhamhu, il y a oublié de dire, même Yaqoub al-Dehlis, même si on me donne la carte de Jannah, même si je suis à la cave. Mais vous pouvez prétendre du rez-de-chaussée jusqu'au Ayni, à condition de remplir ces conditions. Pourquoi ces conditions? Dieu, il vous aime, on l'a démontré. Mais on veut qu'il vous donne notre amour. Vous prétendez aimer Dieu, et bien Dieu, il va vous aimer à notre amour spécifique. Ben, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple. Le Coran, le Karim, on le lit tous les jours, mais on passe sans faire attention. On regarde les versets. Allah yuhibbu al-muttaqin. Wallah yuhibbu al-muttaqin. Dieu, il aime les gens, les chrétiens, ils disent Dieu. Mais al-taqwa, en réalité, c'est pas la pitié. Al-taqwa, c'est la crainte de Dieu. Al-taqwa, c'est mettre entre toi et l'enfer un barrage, un mur. Et bien, ceux qui font l'effort pour échapper au châtiment de Dieu, Dieu va les aider. Ça y est. Il suffit que tu sois min al-muttaqin. Le taqwa, elle est très simple. Le taqwa, c'est faire ce que Dieu a ordonné et s'interdire de ce que Dieu a interdit. C'est ça, le taqwa. Il n'y a pas une explication plus compliquée que ça. Inna Allah yuhibbu al-muhsini. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime les bienfaisants, les bienfaiteurs. Il aime les excellents. Quand tu fais quelque chose, c'est le bien. Tu fais ta prière, applique-toi. De la masse des musulmans. Mais si tu t'appliques, tu fais bien, tu rentres dans une autre catégorie, celle de Al-Mohsini. Quand tu fais le wudu, fais le bien, tu deviens parmi Al-Mohsini. Quand tu salues ton frère, fais le bien. Quand tu invites quelqu'un, fais le bien. Il suffit de s'appliquer dans notre adoration pour qu'on soit parmi Al-Mohsini. Wallahu yuhibbu as-sabirin. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime les patients, les endurants. Et la patience, c'est quoi? D'ailleurs, la religion, c'est quoi? Al-Iman, la foi, c'est quoi? La foi, c'est 50% patience, endurance, et 50% remerciement et reconnaissance. Al-Iman, nusuhu shukr, wa nusuhu sabr. Quand tu es bien, tu dis Alhamdulillah, la shukr. Quand tu n'es pas bien, tu dis Alhamdulillah, la wa sabr. Quand Dieu t'éprouve, ben, tu dois patienter, tu dois endurer, accepter. Et à ce moment-là, Dieu va te mettre parmi As-Sabirin. Donc si parmi Al-Muttaqin, parmi As-Sabirin, parmi Al-Muhsinin, tu vas être parmi les gens que Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner, leur réserver ce stade au paradis qui est Ayni. Mais le Coran al-Karim est beaucoup plus explicite. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم آخرين جبا Si jamais vous laissez tomber l'islam, si jamais vous ne respectez pas les prescriptions, Dieu va amener d'autres gens. يحبهم ويحبون. C'est des gens que Dieu va aimer et lui il va être aimé. Pourquoi? أذلة على المؤمنين. Parce qu'ils sont un. Ils sont utiles, ils servent les musulmans. Ils ne sont pas arrogants, ils ne sont pas agressifs, ils ne sont pas violents, ils ne sont pas insultants par rapport aux musulmans. A'izza 'ala al-kafirin. Mais ils ont cette dignité, cette fierté en face des ennemis de l'islam. Ils n'ont pas cette peur, ils n'ont pas cette crainte.
Ils n'ont pas de l'humiliation. Ils ont la fierté du musulman. ومن أحسن قولا ممن دعا الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Oui, il y a beaucoup de gens qui changent leur prénom ici pour se cacher, pour ne pas montrer qu'ils sont musulmans. Il y a des gens qui ont honte de montrer qu'ils font la prière, ont honte de rester avec leurs collègues. Le musulman, non, parce que le musulman c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien qui fait le bien et qui veut le bien. Alors celui qui est aziz, digne, fort contre le kafir, yujahidoun, dit Salimillah. Et yujahidoun, ça ne veut pas dire le combat armé, le jihad, ce n'est pas comme ils disent en France. Le combat, c'est une septième catégorie du jihad. Il y a six autres catégories qui est al-jihad al-akbar. C'est appliquer une prescription de Dieu. C'est combattre le salaf, combattre les tentations, combattre les tentations. Écoutez ce qu'on raconte sur les médias sur nous. Vous savez, quand on ouvre les médias ici en France, on commence par l'islam, on termine par l'islam. Regardez toutes les émissions, regardez tous les journaux, regardez. D'ailleurs, j'ai toujours dit, si jamais on enlève l'islam des médias, il ne reste que la vidéo. Il n'y a plus rien.